on fait plus jamais ça. Il est déjà 7h. Ouais, debout, allez là. À ton âge aujourd'hui là. C'est un chien. Oh non. Oh non, les gars, le réveil est trop tôt. Le réveil est trop tôt pour cette vidéo. Plus les gars, on va dire merci à Ecoflow qui ont sponsorisé cette vidéo. Vous verrez, ils nous ont donné un truc pour le tournage. C'est très 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 pépite. Sur ce, c'est parti, on se lève. Et la journée commence bébé. Les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Du coup, comme vous avez pu le voir, les gars, concept assez spécial. Aujourd'hui, je ne suis pas maître de ma vie. Enfin si, je suis le héros de cette vidéo. Je dois faire les bons choix. Il va y avoir soit une couleur rouge, soit une couleur bleue tout au long de la vidéo. À moi de choisir la bonne couleur. Sachant que pour chaque couleur, il y a un événement, quoi qu'il arrive. On est d'accord, Mathieu? C'est pas si je prends le bleu, dans tous les cas, il y aura eu ça. Non. C'est soit bleu, soit rouge. Et tu peux prendre les... Tu pourras choisir les deux, tu pourras regarder si jamais le rouge te plaisait et tout. Enfin bref, tu pourras regarder tout le temps. Les gars, il n'y a pas de triche, vous inquiétez pas. Chaque événement, les gars, ils ont aucun lien. C'est pas parce que je prends ça qu'il va y avoir ça. C'est chaque choix est indépendant. Donc à moi de jouer, les gars, parce que je peux tomber sur des petites dingueries ou je peux tomber sur des bons trucs. J'espère en tout cas que vous allez kiffer la vidéo. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous abonner, mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. On est bientôt aux 6 millions d'abonnés. Qui dit 6 millions d'abonnés dit live pendant 6 jours dans une maison. Ça va être gore. Très très gore, mon frérot. Donc voilà, j'espère que tu vas passer un bon moment. Je compte sur vous aussi pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, c'est parti, commençons. Il y a deux petites bouteilles d'aluminium. Attends, des quoi? Des bouteilles? Enfin, des cuves. Ah, okay. Les amis, on va devoir choisir entre la bleue qui est juste ici ou la rouge. Je viens de me réveiller, les gars. Je connais déjà le refrain. Hein. On connaît YouTube, on connaît le divertissement. Il va y avoir un truc dégueulasse. C'est un bon truc, hein? Waouh, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. On s'amuse pas. Les gars, c'est un piège. Rouge, ça veut dire pas bon, pas bien. Bleu, ça veut dire c'est bon. Du coup, il a cru que j'étais bête. Dès le matin, il a cru qu'il allait m'avoir. Mon petit déj, j'ai des croquettes là dès le matin. Ah frérot, une en vrai ça suffit parce que les chats des fois ils peuvent juste en prendre une et c'est bon. Ok. En vrai tu devrais pas regarder peut-être l'autre, ce à quoi t'es... J'ai loupé un truc, les gars, on va voir ce que j'ai loupé. Ça va, ça va, ouais. Ça va, c'est mignon, c'est mignon. Mais c'était des myrtilles, c'était bon quand même. Là c'est des merdilles. Elle m'arrête. J'ai bavé les dents. Les amis, toute la journée, il y a quelqu'un qui va m'envoyer des messages. Parce que là, bon, c'était chez moi, donc c'était simple. Mais je vais devoir me rendre à des adresses et devoir faire un choix à chacune des adresses. Du coup, il y a un mec qui va m'envoyer un message. Il va me donner une adresse. On doit y aller. Et il y aura un petit dilemme qui nous attend là-bas. C'est parfait. En vrai, je pense... On va passer une bonne journée. Sachez que ce numéro, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je sais pas c'est qui, les Poyos Hermanos ou j'en sais rien du tout. Embarcadère du chalet des îles, Saint-Denis. Wesh, on va loin là. Ah gros, faut partir maintenant. Allez, on démarre. Les amis, on arrive près du lieu du dilemme. Et on est au bois de Boulogne. Donc j'espère que ça va pas être ce dilemme là. Oh mais y'a ta daronne là. Là, ah, là, dans le bois. Maman. Non mais y'a pas, ouais. Allez. Non mais gros, gros, t'es un matin, frère. Allez. C'est le matin là. Allez, mais non mais gros, non mais les gars, c'est horrible. C'est horrible parce que là, c'est le matin, je suis bien. Il fait beau sa mère, je vois un lac. Ça veut dire, c'est sûr, il va y avoir une galère. Mais là, je vais pas me faire avoir. Là, les gars, je vais pas me faire avoir. Le rouge, ça veut dire que c'est pas bien. Et le bleu, ça veut dire que c'est bien. Et tout à l'heure, ça a pas marché. Et il va pas faire deux fois la même erreur. C'est-à-dire, il va pas mettre le rouge, c'est tout le... C'est le négatif. Du coup, si je prends le rouge, ça va être le positif. Vas-y, je le sens bien. Tiens, tu peux promener ce gentil chien. Timothée! Mais c'est un chien de l'armée, ça, frérot! Attends, il y en a deux! Bah, t'as pris quelle couleur? J'ai pris le rouge. Comment je sais c'est lequel le. Bah, t'es con, quoi. Ça va bien, tranquille? Forme. Ça va? Salut, ça va les refs? Je te présente mes deux chiens. Ça va? Hôtesse et Taycan. Et c'est lequel le bon? T'as quelle couleur? J'ai pris le rouge. Tu fous la rouge? Ouais, moi je suis rouge, moi. Allez, donc ta hôtesse, c'est ma chaîne de travail, elle fait beaucoup de tournages. Ok. Elle est toute cool. Faut que je prenne confiance avec elle pour qu'elle soit gentille avec moi. Exactement, si tu lui dis de faire des câlins, elle va faire des câlins. Regarde, je fais des câlins, j'ai confiance. Ouais. Les gars, je vais promener Hôtesse ce matin. On va faire un petit tour en balade. Les gars, j'adore les chiens. On va se promener? Est-ce qu'on va se promener? Par exemple, tu tapes sur le monde, tu lui dis câlin, elle va faire des câlins, tu lui dis quand t'es mort, elle va faire la morte. Enfin, ah ouais? C'est un vrai chien. Attends, vas-y. Pressé pour ça. Ouais. Hôtesse, assis. Ouais. C'est bien. Tu lui fends? Hôtesse, pan! Oh, elle est morte! Oh, elle est trop forte! Regarde, fais-lui comme ça. Câlin, tu vas faire un câlin. Hôtesse, câlin! Oh, elle est trop gentille! Eh, je crois que j'ai pris de la bombe. Ça, c'est un champ d'intervention. Ah ouais, lui, ah, ça veut dire que lui, c'est un vénère. Allez, les gars, petite balade.
Allez, hôtesse, viens, on court, on court. Viens, hôtesse, viens, allez, viens. Les gars, je vous jure, quand j'aurai mon chien, je vais trop bien m'en occuper. Bah, tu reviendras ici, quoi. Ouais, je pense que je reviendrai le promener ici. Tu sais quoi? On fera un petit truc où je le promène ici. On fait ce plan, mais avec Ace. On va? On y va? Bon les gars, avec Hôtesse on a fait une petite balade, petit moment cool et tout. Mais je suis tombé sur le bon truc, donc ça va. J'ai quand même envie de voir ce que j'aurais fait si j'aurais pris l'enveloppe bleue. Wesh, il est trop puissant. Il m'a tracté, frérot. Les gars, c'est un grizzly, c'est pas un chien. Inox, ouais. Tu m'as dit que t'avais faim là, un petit peu. Ouais, j'ai un petit peu. Mais gros, c'est une vidéo de dégustation là ou c'est. Non, mais là, tu vas faire quelque chose d'un peu plus sérieux là. Moi, j'ai bien kiffé les chiens, les gars. Ouais, mais là, je pense que je te laisse aller là-bas là. Y a pas de choix là. Si, si, t'inquiète. C'est juste, il est. En fait, les gars, ce qui est d'art, c'est que je sais le concept. Moi, j'ai dit à Mathieu, je veux qu'il se passe ça. En mode, je lui ai dit, je veux que le concept soit ça, mais les activités, je sais pas, c'est lui qui a géré. T'es là? La daronne. Oh, y a des mâles les gars, y a des mâles bleus et une mâle rouge. Vas-y, viens. Oh, y a un petit pique-nique. Oh là là, ça sent bon cette histoire. Oh là là, vu sur la tour Eiffel. Ah là, on y bien. Merci Ecoflo d'avoir sponsorisé la vidéo les gars, ça fait plaisir parce que les gros projets il faut les payer. Et ça, c'est du très très lourd parce que ça va m'accompagner dans tous mes tournages les gars, mis à parté que c'est une OP ou quoi. Les gars, ce petit objet, c'est une batterie du même type que les batteries Tesla frérot, que je peux prendre, que je peux transporter dans tous mes tournages frérot. Ça veut dire si je veux allumer un ordi dans une jungle, je peux. Donc c'est incroyable, je valide fortement. Et tous ceux qui veulent les infos, c'est maintenant. Tchou. Yeah, you better. Bon, les amis, très gros choix à faire. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer à cet endroit précis. Mais il y a une boîte bleue et une boîte rouge. J'ai une nouvelle théorie. On a pris du rouge et encore du rouge. Je pense que maintenant, faut prendre du bleu. Sauf que, il est intelligent le mec derrière la caméra. Il va faire exprès que je me dise, faut prendre le bleu pour pas que je prenne le rouge. Donc, faut prendre le rouge. Oh là là, mais je suis trop fort, mais gros, mais je suis un monstre. Attends, je regarde, y'a quoi dans la bleue ou pas? Et bah, y a à manger aussi, y a des pâtes. Ouais, mais là, c'est. Oh bâtard! C'est un micro-ondes là. Oh non! Alors que là, tu vas devoir préparer à manger. Oh non, là, je dois cuisiner. Oh non, là, j'ai le seum. Ah, donc c'était pas le bon là. Non. Attends, mais y a vraiment une plaque de cuisson. Mais du coup, grâce à Ecoflo, tu vas pouvoir le faire. Oh, la petite sponsor qui est pas mal. T'es content que j'ai pris la rouge. Hein. Parce que du coup, là, j'utilise bien Ecoflo. Hein. Bah, le micro-ondes aussi. T'aurais pu le faire. Ouais, c'est. This is Elon Musk. Bon bah les gars, j'ai perdu, je dois préparer ma graillance plein milieu d'une forêt, c'est magnifique et on peut le faire grâce à Ecoflo, donc c'est carré, let's go, go préparer à manger et on va se faire un petit festin. Ah ouais mais attends, tu peux brancher 4 prises et tout? Non mais les gars, en vrai premier degré, cette machine elle est incroyable pour les tournages et ça m'arrange de fou parce que je peux faire plein de trucs dehors sans forcément avoir de prise. Oh là 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 là, mais ça sent bon cette histoire, mais c'est que ça sent bon. Les gars, tuto cuisine, faire des pâtes, mettre de l'eau dans une casserole, activer la plaque de cuisson. Il commence à avoir de la fumée, moi je suis impatient, je m'en bats les steaks des bulles. Ah ouais, ça part. Oh, on va pas faire tout. T'as mis un minuteur ou pas là? Non, pas de minuteur frérot. J'ai la tête à mettre des minuteurs. Ouais. Les gars, tout est au talent. Les amis, les pâtes sont prêtes. Maintenant, on va les essorer et on va se régaler. C'est magnifique, c'est incroyable. Oh del paso. C'est bien zerme. Oh putain, je me suis fait une vraie plate. Ah, oui. Y a pas de la sauce là ou un truc comme ça? Non. Non, y a pas. Non, c'est mange comme ça. Oui. Okay. Tu vas me faire foutre quoi. Oui. Okay. Les amis, bon appétit. Elle est là. Qui? La mère. Oh. Je tiens à vous remercier sur le retour de toutes mes dernières vidéos, vous êtes monstrueux, que ce soit la vidéo Bunker ou toutes les autres, franchement ça me fait trop plaisir les gars, vous êtes les best. Et voilà, prenez soin de vous, c'est plus important et la santé aussi. Petit repas terminé, c'est parti, on va à l'autre activité bébé. Prochaine destination à ta gauche. Dans le bateau là? Ouais. What the fuck? Mais attends, je rêve où il y a un PC dans le bateau là. Il y a des LED et il y a un setup PC dans le. Attends, mais what? Les gars, je sens que ça va être lourd. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Ça va super. Je peux monter? Oui. Merci beaucoup. Oui. Il y a un setup dans un bateau, ma gueule. Je suis dans un bateau, je vais jouer au PC. Non, là c'est gore. Ah, mais ça doit être un jeu. C'est-à-dire ça, soit c'est un jeu de merde, soit c'est un jeu bien. Ok, les gars. Je vais tester un truc parce que, bien sûr. On a la machine Ecoflo, juste je vais voir si ça marche. Là je peux charger le PC.
Oh oui, ça marche. Oh oui, ça marche. C'est exceptionnel, gros. Je suis sur un putain de bateau, les gars, en train de jouer à l'ordi. Alors, attends. Parce que j'ai deux choix, les amis. Soit je prends la rouge, soit je prends la bleue. On a fait que du rouge depuis le début de cette vidéo. Du coup, normalement, dans la tête du mec qui a fait les trucs, il se dit, bon, il va au moins changer, il va prendre du bleu. Frérot, je vais encore prendre du rouge. Et ça, c'est avoir 300 de cuit. Attention, on va ouvrir l'enveloppe rouge. On va voir si tu es fort aux échecs. T'as beaucoup joué au bunker. Maintenant, on va voir. Oh là tu vas jouer contre l'IA là. On va voir si tu... Contre l'intelligence artificielle. Eh ouais, on va voir maintenant si t'es vrai chaud là. Les gars, dans le bunker avec Mich, Michou m'a appris l'échec, mais je suis rincé sa mère. Mais je suis chaud de faire une partie. Et là les gars, je suis en mode tryhard, j'ai envie de gagner la partie d'échec. Ok, il a mis son cavalier. Faudrait que j'essaye de lui grailler son cavalier là. Ok, c'est bon, j'ai une strat. Je vais manger ton petit pion. Hein? Mais gros, il m'a mangé, je sais même pas comment. Je suis échec et mat. Bah attends, mais ça vient de commencer. C'est fini? Quand c'est échec et mat, ça veut dire que je suis obligé de perdre. C'est fini, frérot. Les gars, j'ai même pas joué 5 minutes. Ah, je peux plus bouger. Ouais, échec. Ouais, tu devrais regarder sur à côté de quoi t'es passé. Tu dois descendre dans le nether le plus rapidement possible. Non! Mec, j'ai trop le seum. En plus, Minecraft. Oh là 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 là, ça sent très très bon cette histoire, ça sent très 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 bon. Tu peux nous en dire plus? Ok, je mets une petite image. Ok, ça sent bon. Ça sent bon. Soyez à l'affût les BG. On a fini cette petite matinée. Là, j'ai reçu un message du lettre inconnu qui m'a renvoyé un message, une nouvelle adresse. On va y aller sans plus tarder. C'est parti. J'espère qu'il y a un truc lourd qui nous attend. Il m'a dit circuit JB Beltoise circuit. Ça sent très bon cette histoire. JB. Bon les gars, on arrive, on est devant, je pense, le circuit. Je suis devant la barrière. Normalement ils vont ouvrir, je sais pas. C'est l'adresse qu'on m'a donnée. Oh, petite barrière qui s'ouvre. Wesh, il y a une table là-bas. Oh, j'aime beaucoup ce qui se passe. Et ma petite table en plein milieu, deux enveloppes. À moi de jouer maintenant. Les amis, j'ai pris du rouge depuis le début de cette vidéo. Je pense que c'est le moment de prendre le bleu. Et je l'ouvre sans réfléchir, je sais pas ce qui m'attend. Amuse-toi bien avec cette voiture. Tu peux continuer, tu vas avancer là-bas là. C'est-à-dire que ça sent bon ça. Mais ça se trouve c'est une voiture de merde. Bonjour. Thierry. Vous allez bien? Très bien. Ça va bien? Super. Enchanté. C'est votre voiture que je dois conduire? Non, bah non. On va aller les découvrir. Ah ok, bon je vous suis. Mec, il va me ramener devant une Clio 2, je vais rigoler. Oh lolo lolo. C'est une Alpine. Elle est grande. L'extérieur, c'est pas mon délire. Oh la chatte que j'ai eue. Oh là là. Let's go. 200 de cuit, voilà, je vous avais dit, fallait casser la prophétie, fallait prendre le bleu. Mais les gars, à tout moment, je faisais un tour de circuit comme as et je passais à côté de ça. Bon, ok les gars, on va quand même tester, on allume le compteur. C'est bon. Wesh. Elle avance. Elle est électrique. Wesh, ça bombe pas. Et les gars, j'ai pas triché. C'est vraiment une voiture électrique, y'a personne derrière moi. Les amis, on embarque avec le pilote. Juste là, ça va être gore. Petit tour, j'ai jamais fait Alpine. En fait, j'ai fait tellement de voitures avec GMK et j'ai jamais fait Alpine. Donc c'est bien, ça change et on va tester et je vous dirai mon ressenti. Champion de France? Ouais, deux fois ta coupe. Oh là 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 là, le crack les gars. Les gars, je stresse un peu là. On y va? Vas-y, on y va. Hein. Voilà, quand même une patate. Hein. Wow. Wesh! Comment tu frôles les chicanes? Oh putain, elle drift et tout la caisse. Wow. Wesh! Oh. Ah ouais, tu driftes avec et tout. Oh les drifts, c'est incroyable. Elle a le drift là. Wesh. Mec les gars, j'adore les drifts en fait. Faut trop que j'aille sur circuit avec une BM. Putain, c'était incroyable. Bah merci. Merci infiniment pour ce tour magnifique. C'est 5 tours même. Ah, c'est ça. C'est incroyable. Franchement, je vais être honnête. Hein. C'est mieux que la rouge. Eh quand même. Le bon choix les gars, c'était incroyable.
très bon pilote, c'était incroyable. Les amis, on continue. J'attends le prochain message de la personne mystère. Et ensuite, on se dirige vers la prochaine activité. Est-ce que je vais encore faire le bon choix? J'ai reçu mon ref. 13 rue des Mignots, Poissy. C'est chez moi, les gars. C'est à côté de chez moi, Poissy. Hein. Ça te dit rien, du coup, l'adresse cette fois-ci? Bah non. Je sais juste qu'on va à Poissy, frère. Allez. C'est quoi ce bordel? T'inquiète, on va... J'arrive où là? J'ai vu un petit panneau, paintball zone. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais il y aura forcément des tirs. Voilà. Donc on va voir, j'espère pas que c'est un truc en mode je me fais mitrailler parce que les gars, je vous dis, le paintball ça me fait trop mal. On va voir ce qui nous attend, j'espère faire le bon choix. Tu peux boire, t'as dit? Bah oui. Bah go l'essayer, non? Vas-y. Depuis que je suis allé sur l'île, je m'en bats les couilles de tout, frère. Bah oui, frère, elle est bonne. C'est de l'eau des montagnes, t'es con ou quoi? Les montagnes, ouais. On est où là? Poissy. Il y a des ballons là-bas. Il y a un ballon rouge et un ballon bleu. Voilà, voilà. Il y a deux équipements, un bleu, un rouge. Qui change là, que je prenne bleu ou rouge? C'est pareil. Oh, attention. Oh là, les gars, je sais pas. Là, les gars, c'est de la statistique. Si je reprends bleu, c'est bon. Logiquement, c'est une histoire de stack. Les gars, je prends bleu, j'en ai rien à cirer. Moi, je suis trop fort en statistique, frérot. Attention, les amis, j'ouvre l'enveloppe, pipi. Qu'est-ce qui va m'attendre? Eh, vous pourrez dire 200 de cuir. Je te fais canarder par ton cadreur. Attends, mais gros, t'as pas gardé l'autre mal, en vrai. En plus, le paintball. Oh, c'est vraiment fou, dommage, t'es pas tombé sur l'autre. Hein. Bah, l'autre, c'est je canarde mon cadreur. Ouais. Bon, bah, les gars, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un vrai homme. Un vrai homme, c'est savoir être dans la difficulté ce que tu n'es pas ou ce que tu veux être. Tu peux me tirer autant de fois, je vais pas crier une seule fois. Je vais être comme ça, frérot, y'a rien qui m'arrête. Oh, ça fait trop mal. Ouais. Ah vous, c'était incroyable. C'est incroyable. Oh sa mère. Wow. Wow. Oh, j'ai eu trop peur. Moi c'est que j'en ai pris une dans l'oreille. Oh. Non. Wesh. Ouais. Ah mais. Oh. Ah mais attends, mais elle est. Ah mais explosé. Ah mais gros. Ah mais explosé l'oreille. Tu sais le coup, le coup. Ah ouais. Mais même là tu sais gros. Ah mais explosé l'oreille gros. C'est le moment où j'ai fait. Alors de base je devais me faire rafale. Mais tu sais que gros, une douleur les gars, comme jamais. Je m'en suis pris 10, je suis parti direct. On est d'accord, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Mec, je pouvais pas rester plus. C'est hein. Tu sais que je crois que j'ai un hématome hein. Ça fait mal sa mère hein. Mais toi ton oreille tu dois avoir trop mal. Ah ouais, j'entends quasiment. En vrai j'entends moins bien là. Les gars c'était incroyable sa mère. Ok les gars, prochaine activité, let's go. C'est pour ça que tu me filmais. Oh oui. Non, ça recommence. On repart. J'avais pris bleu et j'ai eu un truc de merde. Là, je vais avoir un bon truc. On repart. Ah, je t'ai tué, t'as trop le seum, j'ai pris un bon truc. Félicitations, tu viens de remporter cette voiture unique. Oh, ça sent bon cette histoire, bébé. Oh, incroyable. Attends, elle est bâchée la voiture, non? Attends, parce que là, on doit aller à un autre truc, à un autre endroit, et je dois aller avec cette voiture. On verra. Tu me sors une voiture des années 40 ou quoi? C'est quoi ce bordel? Mais t'as vu l'état de la voiture? Attends, mais gros, c'est quoi ça? T'es en train de me dire que je dois conduire avec ça? Non, mais là, ça c'est un accident. Oh non, les gars, c'est quoi ça? Je l'ai eu mon permis manuel, mais je suis éclaté, ça veut dire que je suis pas habitué. En vrai, je sais que c'est catastrophique, toi, on peut le dire aux gens, c'est pas pour mentir. Manuel, c'est extrêmement dangereux, surtout vu l'heure. Par contre, en vrai, au moins démarrer, d'accélérer jusqu'à là-bas, ça au moins tu peux le faire en vrai de vrai. Ça en vrai. Regarde ce démarrage de malade mental. Ceinture. Allez, go. Bon les gars, demi-tour. C'est quoi ça? Ah oui, elle a calé, putain, merde. Un souci ta gomme. Mais laisse-la reculer. Pété, là. Non. Laisse-la reculer parce que je vois que tu vas la niquer. Bon les gars. Frérot, elle date trop cette voiture les gars. En fait, je sais conduire manuel. Là, vous allez me dire, non mais c'est honteux. Je sais conduire, juste elle, c'est une ancienne, les passer les vitesses, c'est trop galère. Sur les nouvelles, je sais faire, mais là, frérot. C'est trop une vieille dame pour toi, toi. Ouais, c'est trop, moi je tape pas dedans, frérot. Mais après, c'est dans les anciennes qu'on fait des beaux ponts de confiture. Mais là, je tape pas dedans. Les amis, direction, prochaine destination, prochaine enveloppe. J'attends le message qui va arriver dans quelques secondes et ensuite on va... D'ailleurs, c'est qui m'envoie des messages? C'est un numéro, je connais Mathieu. C'est un mec bizarre qui nous a contacté il y a 2-3 semaines en disant qu'il voulait créer ce concept et tout. Je sais pas, j'ai pas trop compris, mais bon, on s'est dit pourquoi pas. Bon, ça va les bouilles. Mec, j'ai reçu District Training Zone, 126 rue Ernest Savard. Là, ça va être la guerre. On a une heure de route, c'est parti, let's go. Frérot,
J'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un autre. Pas mal, tu l'as bien caché celle-là. Parce que je m'y attendais, hop. Est-ce que je les ouvre maintenant ou on va au lieu avant? Comme tu veux. Viens, on va au lieu d'abord. Allez. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a une cage de MMA, frérot? Pourquoi tu rigoles? Non mais les gars, là je suis pas serein parce que le problème c'est que je sais déjà c'est quoi. C'est il y a un mec, c'est soit il va me tuer, soit je vais le tuer, c'est ça ou pas? Inox fait le bon choix, Inox fait le bon choix. Attends, est-ce que je peux savoir contre qui je vais me devoir me taper ou quoi là? Ça va ou quoi Inox? Ouais, ça va ou quoi frérot? Mec, c'est un plaisir, mec, je m'y attendais pas. Je sais pas si ça sera un plaisir après, mais... Frérot, voilà, Morgan, présente-toi pour ceux qui ne connaissent pas, parce que alors, moi, je connais du coup. Je m'appelle Morgan Charrière ou Morgan Chapa sur Instagram. Donc, je suis combattant professionnel de MMA, ancien champion du monde du Cage Warrior à 66 kilos, et puis voilà. Les gars, ça veut dire là, je vais me faire atomiser par un mec de MMA, ou sinon, je t'atomise. Je suis pas sûr, mais... tu vois, c'est... Frérot, faut que je fasse un choix entre rouge ou bleu. Tu laisses le hasard. Non, je prends mon destin en main, choisis okay, bleu. S'il te plaît, faites que je l'allume. Mec, ça veut dire que je me fais défoncer pendant une minute. T'avais vu quand Kamel il avait essayé de faire une minute mais il avait le droit de taper? Et alors c'était chaud ou pas? Bah il a essayé de défoncer et tout. Ah, calotique. Wow. Non, me dis pas tu vas me faire saigner. Faut le mettre au montage. Non, s'il te plaît. Frère, non, mais les gars, mais non, mais... Mais frère, c'est trop, j'ai le fun. Mais frérot, pourquoi t'as fait ça? Ah, je me suis explosé, gros. Vas-y, je m'en bats les couilles, je vais le fumer. Non, Morgan, mets pas toutes tes forces. C'est que mais... une minute, c'est archi long. Mec, mets 30% s'il te plaît. Je vais mettre 45%. Quoi? Mec, c'est la moitié. Non, mais 50. La non. moitié au moins. Mais frérot, regarde, je suis tout frêle et tout. Frérot. Non, je sais que tu t'entraînes. Non. Il dit quoi, on lève ton t-shirt? Il serait dommage de le tâcher. Dommage de le tâcher un peu plus. Quand il dit ça, c'est taché. Dans quel sens du terme, frérot? Parce que le rouge, ça se voit beaucoup sur le blanc. Non, mais vas-y, moi, pourquoi tu me fais aller dans des trucs comme as, frère? Eh, moi, j'ai envie que tu me dises si j'ai un potentiel. Est-ce que tu sais déceler mon potentiel? Si j'ai un potentiel, mais tu sais. Mais faudrait que t'aies le droit de taper. Parce que si t'as pas le droit de taper. Non, mais après. Pas... Après, vas-y. Après les 1 minute. Après, on fait 1 minute, t'as le droit de taper. Let's go! Je taperai pas fort, t'inquiète. Non, mais... Ça, c'est pour pas qu'il me tape fort. C'est quoi ça? Vaseline. C'est pour que ça coule. Vaseline. T'inquiète. Ça c'est dans le cul normalement. Non, comme ça t'auras pas d'ouverture. Hein? Ça va pas ouvrir ta peau. Quoi? T'inquiète poto. Non mais là je suis vraiment pas confiant les gars. Ouais, c'est pas grave. Morgan, t'es prêt? Inox, t'es prêt? Ouais. C'est parti. S'il te plaît. Ah, non, ça fait mal. Oh. Ouais, c'est trop puissant, gros! 20 secondes! 20 secondes! Ah. Aïe, 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 aïe! Pas mort! 30 secondes! Les gars, je vais mourir! Aïe! Oh ah mais c'est trop lourd. Ah il reste 5 secondes. 2, 1, tempo. Oh, il m'a tué. Je suis à 30%. Aïe, c'est bon, j'arrête. Aïe, il m'a tué. Aïe, c'est bon, j'arrête. Et alors là, c'est quand ton prochain combat? 7 octobre. Ah, c'est bientôt. C'est où? 7 octobre, exactement, à Rome, en Italie. À Rome? Putain, ouais. Ça aurait été à Paris, je serais venu. Ouais, non, pas tout de suite, mais bientôt. Il sera en live? Sur UFC Fight Pass ou Six Play. Les gars, tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à le soutenir, les gars. La Big Force. T'es dans les seuls français? Non, il y a d'autres français, mais là, ouais, à Rome, en Italie, on est, je crois on va être trois. Ah ouais? Les gars, ça représente la France. Ça représente très très fort la France. Bah, frérot, merci beaucoup, frère, c'était trop bien. Merci à toi. Et on essaiera de se recapter alors. Ouais, j'espère. Bravo, frère. J'espère que j'ai bien assumé par terre. Ouais, franchement. Tu m'as mis des, il m'a mis des vrais coups. Hein. Ça se voyait ou pas? Il me mettait des vrais coups. Ouais, la balayette, elle est la légendaire. La balayette, elle est légendaire. Les gars, dites-moi dans les commentaires. On pourra refaire. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Et maintenant, je crois qu'il reste un dernier dilemme. C'est parti. Les gars, j'ai l'inconnu qui m'a envoyé un message. Il m'a dit rendez-vous au studio de rue Paul Vaillant Couturier. Et ça, c'est Webedia bébé. C'est parti. Bon, bah les BG, on est arrivé. On est dans le parking. Ouais, il y a un fan qui me tourne
Wesh, y'a un van qui bloque le parking, frère. Mathieu, c'est pas dans le truc, ça? Bah non. Vas-y, on va leur dire de se bouger au pire. Wesh, t'es mal, y'a un van noir de baiser mental, frérot. Wesh, c'est quoi ce bordel? Non, tu me trolls. C'était dedans, ça? Non, c'est pas dedans, c'est pas dedans. Oh, c'est... Wesh, mais attends, c'est un dilemme, ça. Salut, mec. Ok, on a rien à foutre. Mec, il y a une pilule bleue et une pilule rouge. Oh là. Là, c'est très, très gore. Mec, j'ai pris... Tout à l'heure, j'ai pris quoi? J'ai pris bleu avec Morgan. Là, ce dilemme-là, il a l'air d'être pas mal, parce que là, faut que je fasse Bellec. Vas-y, je prends la bleue, moi. Vas-y. J'ai déjà fait ça. Hein? Mais quelle heure là? 7h. Ah ouais? Ouais. Allez, debout. Comment ça, debout? Allez, debout. Mais gros, c'est mardi là, y'a rien. Allez, debout. Mais attends, j'ai déjà fait ça. Mais non, comment ça t'as déjà fait? C'est... On tourne là. Le paintball? Oui. On est venu, frère. Non, mais vas-y, allez, vas-y, faut s'habiller là, je te canarde aujourd'hui là. Bon, les gars, je dois choisir deux enveloppes. Soit la bleue, soit la rouge, à votre avis. Je me rappelle plus c'était quoi. Non, vas-y, hey, c'est pas grave, vas-y. Choisis une et c'est bon. Bon, vas-y, je prends la bleue. Attends, les gars, va y avoir un van. Et voilà, il va y avoir un. Ok, les gars, j'y recommence. On a recommencé la vidéo. Mais quand tu prends la pilule bleue, ça recommence. T'es un bâtard, tu me l'as pas dit. Donc, c'est bon, les gars, j'ai capté. Ça veut dire là, on sort. Et normalement, ils sortent. Voilà. Frérot, j'ai capté la vidéo. Du coup, logiquement, les gars, en vrai, c'était intelligent. Ça veut dire, Mathieu, j'ai pris la pilule, il m'a dit, frérot, la vidéo recommence. Donc, c'est carré, elle a recommencé. Et là, je vais tous les brains. Je prends la pilule rouge. Oh oui, bébé, la petite pilule rouge. Regardez l'intelligence. Je reprends la pilule bleue, la vidéo recommence. Par contre, si je prends la pilule rouge, logiquement, on a gagné. T'as vu, ça fait rien. Mais messieurs, s'il vous plaît, messieurs, qu'est-ce que tu fais quoi là? Arrête de filmer là. Qu'est-ce qui se passe? Il a pas tenu parole, on l'embarque. Dégage. C'est bon, arrêtez, messieurs, s'il vous plaît. Arrêtez, messieurs, arrêtez, enough.